Eh bien salut à tous, c'est Zoro et on se retrouve pour l'épisode 3 de la map Village Escape. Donc comme d'hab, dans la description de la vidéo vous avez le lien de la map. Donc dans l'épisode précédent on avait défoncé le chef du village et on n'a plus qu'une seule personne en qui on peut faire confiance, donc c'est le sage du village. Donc on va aller tout de suite lui rendre visite, mais avant de lui rendre visite on va passer à notre petite maison pour ranger un petit peu toute notre nourriture, tout ce qui est un petit peu inutile. On va juste échanger nos loot histoire d'avoir un peu de nourriture et on ira ranger un petit peu nos coffres quand même, parce que à mon avis on va avoir d'autres items, etc. On devait passer voir le levier avec le bloc de lapis, donc on va aller ranger nos affaires et on va y passer juste après, pendant la quête numéro 6. Et donc voilà. Voilà pour le moment. Allez-vous-en par contre les monstres. Hop. Donc. Alors les loot, tout ça, les fleurs, pas besoin. On a beaucoup de nourriture, ça on va les garder quand même. Par contre là on est full inventaire. Le livre. Oh bah. Il est monté jusqu'à ma maison lui. Notre épée est bientôt. Non, j'ai entendu un bruit. Notre épée est bientôt cassée. Donc la petite fille, pour l'instant les livres, on en a pas besoin. C'était une petite histoire. Donc tout ce qui est nourriture non stackée, on va l'enlever. On va pas se stack pour rien. Les clés, on va les mettre en haut. Notre épée en réserve ici. Nos diamants, ça peut servir, on les garde. La pioche aussi. Tout ce qui est item, on va les laisser. En nourriture, on a vraiment ce qu'il faut, je pense. Ouais, on va garder juste les patates, le poisson et quelques côtelettes. On a notre potion régénération, on a des flèches, donc les flèches qu'il fallait que je récupère, ça peut toujours servir. Hop, le diamant, il peut toujours servir aussi, on a notre épée. On a la clé pour aller voir le bloc de lapis, donc on va y aller en priorité. Et après, on ira voir le sage du village. Voilà. Parce qu'à mon avis, on a peut-être des items qui vont nous permettre de faciliter l'aventure par la suite. Donc, si je me souviens bien, il y avait une espèce de... Oh là là, mais il y a des mobs partout. On aurait peut-être dû dormir, je pense. Je pense qu'on va aller dormir. Ouais. On va se mettre bien, on va aller dormir. Parce que là, je vais passer mon temps à tuer des monstres. Est-ce qu'on a un lit chez nous? Ah, yes. Dodo. Hop, au moins, notre point de spawn, on sait qu'il est ici maintenant. Zou. Allez, mourir les monstres. C'est ça. Allez, décédé. Donc on va aller tout de suite voir le bloc de lapis parce que ça peut être super intéressant, ça peut peut-être nous débloquer des choses supplémentaires à faire. Alors que je me rappelle par contre où je l'avais vu. Ah là-bas. Donc on va vérifier. Ne pas être placé que sur un bloc de lapis. Oh. Ça nous mène à un coffre et dans ce coffre il y a un arc. L'arc du mineur. Des flèches. Des pièces d'or et des cookies. Donc ça c'est cool. Bon, les cookies, on en a déjà pas mal. Et donc du coup on a un arc inutile qu'on va pouvoir ranger ici d'ailleurs. On va le garder, mais on le rangera dans notre coffre. Mais l'arc du mineur va nous servir, je pense. Très bon arc, je pense. Hop, alors du coup on va aller voir le sage du village. C'est parti. Voir ce qu'il a à nous proposer pour cette quête numéro 6. Je me souviens plus si on l'avait vu. On l'avait vu ce coffre ici. Ce coffre là. Alors si je dis pas de bêtises, c'est celui, c'est juste la maison qui est à côté. Je me rappelle vraiment plus. Le vieux sage, c'est ça. Tu veux t'échapper du village? Bon, il va falloir que j'ai confiance en toi. Pour cela, prends la cisaille dans le coffre et rapporte-moi 10 poppies. Et je te donnerai un levier. D'accord, donc les poppies c'est les fleurs qu'on avait ramassées un peu partout. Tu peux... peut détruire les poppies, très bien. Les poppies, je rappelle que c'est les petites fleurs roses. D'ailleurs, on va aller chercher nos fleurs qu'on a déjà. Parce qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et elles sont assez rares, donc on va... On en avait une seule, dis donc. Ça m'étonne beaucoup. Et ben, on en avait une seule. En tout cas, on la garde. Ça nous en fait déjà une sur 10. Le lingot de fer, pour l'instant, on n'a pas trop l'utilité. On va le laisser ici. Les cookies aussi, hein. Voilà. On va pas se blinder pour rien. Donc 10 poppies. Alors. Ah bah là-bas, il y en a pas mal. Est-ce qu'on peut casser autre chose avec? Non, ça
dans les poppies. Hop. Oh bah des flèches, ça c'est cool. Oh bah des poppies en fait il y en a partout donc au final il n'y a pas trop de mal à se faire. Hop, 7, 8, 9. En fait il n'y en a pas partout. Ah si, il y en a pas mal là-bas. C'est bon, franchement il y en a pas mal. Hop, donc on a les 10 poppies. Donc les fleurs, les roses en fait, voilà. Et c'est parfait, il va nous donner un levier. Donc on avait, ah si, on a toujours la clé de la mine. Mais par contre du coup la clé, c'est vrai qu'on va pouvoir la ranger. J'ai pas pensé à ça. Hop. La clé de la mine, on en a plus trop besoin. On va garder juste la pioche qui peut nous servir. Hop. Alors on va aller voir notre ami le vieux sage. Je te donne mes fleurs. Tu dois avoir les 10 poppies, donne-les-moi contre un levier qui te sera utile si tu vas derrière ma maison. Bon. Alors, ça va le ranger. Ne peut être placé que sur un bloc d'or, très bien. Alors, derrière sa maison. J'ai mal lu peut-être. Si tu vas derrière ma maison, d'accord. Ah! D'accord. Eh oh, tu m'entends? Tu dois être dans le passage secret. Bon, ramène-moi un bijou que j'ai perdu là-bas. C'est une émeraude. Si mes souvenirs sont bons. D'accord. Bon, bah, le levier, hein. Je suppose que ça servait à ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Un émeraude. Là-dedans, faut trouver un émeraude. Alors, je vais préparer ma pioche parce que, bon, s'il y a des choses à miner. Alors, par contre, du coup... Voilà, on va s'en débarrasser. Est-ce qu'il meurt? Oui, il meurt. On va se débarrasser des monstres comme ça. Parce que j'ai pas envie de tomber. Ah mince. Hop. Hop, voilà. Ça sera tranquille. Donc, un émeraude. Donc, à mon avis, il y a un parcours à faire. Hop. Hop. Hop, voilà. Ça, ça dégage. On ramasse un peu l'XP, on sait pas... si ça peut servir plus tard. Donc c'est parti, on va monter. Moi je sens un peu les pièges et tout ça. Mais bon. Par là, très bien. On a les bottes qui nous font aller plus vite, je rappelle. Faut faire gaffe, il peut y avoir un simple trou et on recommence tout. Donc. Oula. Meurs. Ne peut être placé que sur un bloc d'obsidienne. Très bien. Meurs. Un bloc d'obsidienne, donc on le garde. Il servira plus tard, je pense. La pioche, pas besoin. Hop. Ah, d'accord. Je pense que c'est celui-là. D'accord. Ah oui, il nous permet de pouvoir monter comme ça, c'est sympa. Là, faut faire attention, j'espère que c'est pas un piège. Non, c'est l'émeraude du sage. Très bien. Donc on va pouvoir aller lui rendre. Alors par contre on va prendre les échelles, ouais. On va se dépêcher. Il n'y a pas de mob. Ah si, il y a un petit squelette qui nous fait suer, dis donc. Hop. Ah oui, par contre pour remonter, ça va pas être très pratique aussi, ça. Donc c'est parfait. On a son petit bijou. C'était pas très compliqué, ça va. On est bloqué mais quand même pas. Hop. Le vieux sage, tiens. Merci beaucoup, tu es digne de confiance. Je vais donc te dire où se trouve l'unique sortie de ce village. Mais pour cela il va te falloir une hache. Le forgeron doit bien en avoir une à te prêter. Quand tu auras ta hache, reviens me voir. Très bien, bah je te veux l'émeraude peut-être quand même. Non, s'en fout. Et on gagne quoi? D'accord, en fait c'est... son émeraude il sent pas les steaks en fait. On va le garder du coup. Donc faut qu'on ait... alors on va aller vite faire ranger un petit peu ce qui est inutile. On va garder l'émeraude du sage parce que ça se trouve il va nous le demander après. Ouais, mon émeraude et tout. Vas-y, tu m'as carotte mon émeraude. D'accord. L'épée, alors on va la garder, j'avais dit. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le petit bonhomme? Le forgeron, c'est ça. Quand tu auras la hache, reviens me voir. Donc le forgeron, donc je sais plus trop où il est, mais il n'y a pas 36 maisons.
Moi j'adore les maps comme ça, il n'y a pas trop de choses. Comme ça tu te perds pas. Et ça je trouve ça vraiment sympa quoi. L'architecte. Oh, on n'a pas été le voir l'architecte depuis le début. Attends, il y a des choses à gratter dans ces coffres ou pas? Tiens, régénération. On va la mettre en réserve. Et deux pièces. Voilà. Et une pomme. Bon, on va la prendre. Hop. Donc le forgeron. Donc là, c'est un petit détour. Alors, le forgeron. Non, le... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je raconte? Oui, le forgeron. Donc c'est bien ça. Tiens. Il te faut une hache, va donc voir à l'entrée de la mine. Je dois en avoir laissé une là-bas. Bon, très bien. L'entrée de la mine. L'entrée de la mine, elle est là-bas, c'est ça. Par contre, là, il y a un levier. Ah, d'accord. J'ai rien dit. Oh, non, 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 non. Putain, ça, c'est un coup à mourir. Ah. Au secours. Vite. La pomme régénération. Pas du tout. Attends, on a eu plein de caca. Bon, ok, on a des potions et tout, régénération, on est au taquet. Ah bah la voilà. On peut détruire des bûches. Ah, c'est cool. On va pouvoir se faire une épée en diamant ou une pioche en diamant. Bon, on va garder le diamant de toute façon. Tant qu'il n'y a pas d'instruction. On va pas faire de bêtises. On va pas gaspiller des choses, ça peut servir par la suite, donc voilà. Reviens me voir, il m'avait dit, non, c'est bien ça. Va donc voir à l'entrée de la mine, je dois en avoir... Ah oui, d'accord, donc on doit aller voir maintenant notre ami l'architecte. Non, pas l'architecte, c'est le sage, voilà. Notre ami le sage, le seul ami où on peut faire confiance. Tiens, alors, te revoilà, je vois que tu as une hache. Bien, il est temps de te révéler. L'entrée du passage secret de l'unique sortie de ce village va casser... Ah d'accord. Va casser le tronc de l'arbre qui est le plus proche de la maison de Constanta. S'il vous reste des choses à faire dans le village, c'est maintenant. Sinon, poursuivez votre quête en faisant ce que le sage vous a dit. Alors, pour l'instant, j'ai que ça à faire. Donc, le tronc qui est près de la maison de Constanta. Très bien. Près de la maison de Constanta. De Constantin. Alors que je me rappelle où il y a un tronc d'arbre. C'est quoi ça? Constantin. D'accord. Il y a un arbre qui est ici. Il n'y aurait pas un truc un peu plus fraglant? Non. Ah, je sais plus parler du tout. Bon bah on va casser l'arbre de toute façon. Bah voilà. Voilà voilà. Oula. Oh là là. Allez, debout, on se réveille. Hein, quoi? Mais où est la sortie du village? Quoi? Tu as dû faire un mauvais rêve. Allez, dépêche-toi. Tu vas être en retard à l'école. Oui, tout ça n'était qu'un rêve. Non. Merci d'avoir joué. Le génie. Ah, le champion. Hop. Vous êtes maintenant en créatif, vous pouvez explorer la map quand vous, comme vous le souhaitez. Une petite douche et tout là. Oh là 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 là. Génial cette map. Vraiment génial, très rapide, très propre. Franchement, bon, y avait d'autres choses à faire à mon avis, par exemple chez l'architecte. Il y avait peut-être d'autres choses qu'on a loupées. Mais en tout cas, moi j'ai été directement aux objectifs principaux. C'était le but là, par exemple. Ici, on peut placer un bloc de destruction, donc il y avait peut-être des choses à faire. Il y avait peut-être certaines choses à faire. Enfin, il y avait. J'ai pas tout fait. J'en suis conscient, mais au moins, c'était une map vraiment sympa que j'ai pu partager avec vous. J'en ferai d'autres. Il y en a d'autres qui sont déjà en préparation. Je suis en train de faire les montages, etc. Et donc du coup, bah franchement, j'ai vraiment apprécié cette map. L'histoire était rapide. Elle était claire, les objectifs étaient précis, la map était correcte et d'une taille raisonnable. On pouvait pas spécialement se perdre. Et franchement, j'ai vraiment apprécié cette map, donc bravo à toi. Donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo, donc de la map, du téléchargement de la map et autres.
Et moi, du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à mettre un petit commentaire, à me proposer d'autres maps dans la description de la vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Wanna get behind the wheel, but only-